Je suis vraiment content d'être parmi vous ce matin, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est vrai que je ne m'attendais pas à être là, mais par la grâce de Dieu, eh bien, je suis quand même parmi vous et c'est une situation particulière. C'est vrai que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que tous les pays sont bloqués en même temps. Hein, je pense que c'est jamais arrivé avant, donc c'est peut-être plus historique qu'on ne le pense. Hein. Et c'est vrai que bon, cette situation du virus Corona, ça a posé bien des aspects négatifs, malheureusement aussi des décès. Il faut quand même voir qu'il y a des aspects positifs à cela. Moi, à mon niveau personnel, ben, je suis encore là. Hein, d'habitude, je repars dans le courant du mois d'avril, je suis encore là. Bon, je suis bloqué en France, j'ai perdu mon visa. Il y a plusieurs facteurs qui font que je ne sais pas quand je pourrai retourner en Thaïlande. Premièrement, l'aéroport à Bangkok est fermé, il y a des restrictions, il y a des quarantaines qui sont chères, etc. Ça a aussi porté un petit peu préjudice à certains projets, comme je l'expliquerai un petit peu plus tard. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, comme c'est une situation un petit peu particulière, j'aimerais en profiter pour changer un petit peu mes habitudes. Car j'aurais aimé vous amener aussi une méditation, un petit peu en plus des nouvelles que je vous amène toujours. Je vous rassure, ça ne va pas être plus long que ce que je fais d'habitude, mais comme on est dimanche, le dimanche on aime bien revenir évidemment à la parole de Dieu. Bien sûr, le travail que l'on fait en Thaïlande, on le fait pour la gloire de Dieu, mais c'est vrai que c'est une bonne occasion aujourd'hui de revenir un petit peu à ces motivations qui nous poussent à faire ce travail. C'est pourquoi on va parler des orphelins, mais vous ne serez peut-être pas étonnés si je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Jacques, au chapitre 1, les versets 25 à 27. Donc je vais lire dans le livre de Jacques, au chapitre 1, les versets 25 à 27. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Alors, les orphelins sont fréquemment présents dans la Bible. Et j'ai choisi ce verset ce matin parce que Jacques, ici, fait une relation intéressante entre le mot orphelin et le mot religion. Et pour comprendre cette relation, eh bien, il faut, à mon avis, prendre déjà le livre dans son ensemble. Jacques, donc le demi-frère de Jésus, a écrit cette lettre et qui est en réalité une collection des paroles de sagesse, c'est une collection de paroles de sagesse de Jacques. Jacques tire son enseignement de Jésus, bien sûr, et particulièrement du sermon sur la montagne, et aussi du livre des Proverbes, et plus particulièrement les 9 premiers chapitres du livre des Proverbes. Et ça, c'est visible dans le contenu du livre de Jacques, mais aussi dans sa forme, parce que sur les 108 et quelques versets que contiennent les 5 chapitres du livre de Jacques, presque la moitié ont un verbe à l'impératif. Hein, ne prêtez pas serment, que votre oui soit oui, etc. Et donc ce livre qui est en 5 chapitres, c'est un livre qui est court, qu'on lit facilement. On en a lu le premier chapitre et on a lu la conclusion de ce premier chapitre qui est une conclusion en trois axes. L'usage de la langue, tenir sa langue en bride, la pureté, se tenir éloigné des souillures du monde, et notre relation au prochain, ici, à la veuve et à l'orphelin. Et ces trois axes vont être développés dans les 4 chapitres suivants, les chapitres 2 à 5. On arrive en général à identifier 12 parties, hein, dans les chapitres 2 à 5 du livre de Jacques, et ils vont être esséminer ces trois axes d'une façon un petit peu chaotique. Par exemple, si on prend l'usage de la langue, on le retrouve au chapitre 3, les versets 1 à 12, dans la modération de l'usage de la parole. On le retrouve au chapitre 4,
Puis on le retrouve encore au chapitre 5, dans notre façon de faire des vœux, de prêter serment, dans notre intégrité. Et donc ces trois axes, c'est ce que Jacques appelle la religion pure et sans tache. Et cette religion, d'où c'est qu'elle vient ? Elle vient de ce qu'il appelle la loi parfaite, la loi de la liberté. Alors, qu'est-ce que c'est que cette loi parfaite de la liberté ? Ben, tout simplement, c'est l'évangile. Jésus a résumé son évangile dans ce qu'on aime appeler le plus grand des commandements. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même. Et Jacques, lui, a renommé le commandement dans ce qu'il appelle la loi parfaite, la loi de la liberté. Et ce mot parfait, la loi parfaite, en grec, si je ne me trompe pas, ça doit être teleios, en hébreu tamim, c'est un mot qui est présent, et pas par hasard, 7 fois dans les 5 chapitres du livre de Jacques, et on est assez d'accord pour dire que le chiffre 7, bibliquement, symbolise la perfection, que ce soit des 7 jours de la création, aux 7 églises de l'Apocalypse. Et ce mot tamim en hébreu, si je le prononce correctement, quoi qu'il en soit, signifie perfection, parfait ou encore entièreté. Et c'est tout l'intérêt de la lettre de Jacques, c'est que Jacques trouve qu'on n'est pas entier devant Dieu, dans le sens où on n'est pas cohérent devant Dieu. Notre vie n'est pas cohérente par rapport à notre confession de foi. Pour Jacques, on est plus compromis, on est plus corrompu qu'on accepte de l'admettre. Et son but avec cette lettre, c'est de nous enseigner à être entier et cohérent devant Dieu, parce que pour lui, cet évangile qu'on a entendu nous a guéris. Avant, on était brisés, on était perdus dans le monde, et cet évangile nous guérit, nous rend entiers devant Dieu. Et maintenant, on peut donc aimer Dieu de tout notre cœur, au travers de la pureté que l'on recherche par la sanctification progressive, jour après jour, qui nous rend de plus en plus comme Jésus. On peut aimer Dieu de toute notre âme, et on a lu un verset ce matin où on a parlé de l'âme, de tout mon être. Moi, dans ma Bible, c'était l'âme, et puis dans la Bible de Christian, c'était de tout mon être. Et quand on dit que dans un village, il y a 200 âmes qui vivent, ben, ça veut dire 200 personnes, parce que l'âme, ça représente aussi bien l'esprit que le corps, ce qui inclut toutes nos attitudes, toutes nos habitudes. Et pour Jacques, donc, on doit vivre d'une façon cohérente avec notre confession de foi, avec ce que l'on dit croire. Et aussi donc de pouvoir aimer Dieu de toute sa pensée, c'est-à-dire sans être des hypocrites, hein, que ce que l'on dit soit égal à ce que l'on pense. Et c'est donc ça que Jacques appelle la religion pure et sans tache, c'est-à-dire notre relation à nous-mêmes, notre intégrité, sans être des hypocrites, notre relation à Dieu au travers de la pureté, au travers de la sanctification que l'on recherche, et la sanctification de l'esprit qui se passe en nous, et au travers de notre relation avec notre prochain, ici avec les personnes pauvres, mais aussi, on peut le lire plus loin dans le livre de Jacques, avec les personnes plus nobles, les personnes riches, etc. Et donc, c'est ce qu'il appelle la religion. Et la religion, elle n'a pas très bonne réputation, malheureusement. Alors que, pourtant, ce n'est pas ce que la Bible nous apprend de la religion. Vous avez peut-être déjà entendu, c'est plutôt les jeunes qui disent ça, peut-être lors d'une réunion de jeunes, être chrétien, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Et ça, ce n'est pas tout à fait vrai, dans le sens où déjà, on a tous une relation avec Dieu, que ce soit une relation d'amour ou une relation de rejet, d'hostilité. Et puis, aussi parce que la religion, c'est le fruit de notre relation avec Dieu, c'est le résultat de cette relation. En effet, quand Dieu nous a choisis et qu'il a placé son esprit en nous, au travers de l'évangile qu'on a entendu, cet esprit, le Saint-Esprit, hein, on a fêté la Pentecôte il y a encore quelques semaines, son rôle, c'est de nous sanctifier. Et donc, il travaille en nous à ce qu'on ressemble de plus en plus à Jésus, qu'on soit transformé en une nouvelle créature. Et ça se traduit eh bien, par notre relation qu'on a aussi les uns avec les autres
et tout d'abord dans la relation qu'on a avec les gens de la même foi que nous, que la Bible appelle les gens de la même maison que nous. Parce qu'en effet, on a un même Dieu, on a une même croyance, et on a une même foi, et cela fait qu'automatiquement on devient un groupe, on forme un groupe de croyants qu'on appelle l'Église, et que la Bible appelle le peuple de Dieu. Et ce groupe, il est régulé par des règles qui ne sont pas des règles humaines, mais qui sont des règles qui viennent de la Bible. Et ces règles, elles sont tout d'abord l'enseignement de Jésus, bien sûr, la doctrine biblique, mais aussi ce qu'on appelle la praxologie, c'est-à-dire la façon dont se comportent les uns avec les autres, et bien sûr l'obéissance à ce qu'on appelle parfois les ordinances, parfois les sacrements, c'est-à-dire la Sainte Cène, la communion, le baptême, le mariage ou encore le lavage des pieds, suivant notre confession de foi. Et ça, ce sont des choses qui ne sont pas un lourd fardeau, mais qui nous réjouissent d'obéir à ce que Jésus nous demande. Et donc, dans cette religion, ce qui nous intéresse ce matin, c'est de parler de l'orphelin. On pourrait détailler la façon dont Jacques parle de l'usage de la langue, la façon dont il nous apprend à essayer de nous rapprocher de Dieu. Mais aujourd'hui, ce matin, on va parler des orphelins. Et comme je l'ai dit, l'orphelin est présent fréquemment dans la Bible, particulièrement dans l'Ancien Testament. Et je vais lire un petit verset ce matin qui est important, que l'on retrouve dans le Deutéronome, au chapitre 10, les versets 17 et 18. Et ce verset, il est important parce qu'ici, Dieu se décrit tout d'abord en disant qui il est, quelles sont ses caractéristiques, mais aussi en disant qui il est par rapport à nous. Je vais donc lire dans Deutéronome, chapitre 10, versets 17 et 18. « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent. » Donc ici, Dieu nous dit clairement qui il est dans toute sa majesté. « Qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. » Et c'est la fin de la phrase. Ici, Dieu nous dit qui il est par rapport à nous. Et il ne choisit pas les princes et les rois, mais il choisit les personnes les plus basses socialement. La veuve, l'orphelin et l'étranger. Et c'est une façon de nous montrer l'importance. Ces trois catégories de personnes représentent des personnes en état d'impuissance. Parce que déjà, ils n'ont pas de protecteur, mais aussi parce qu'ils n'ont pas de terre qui leur appartiennent. Si on prend l'exemple des enfants, les enfants n'ont pas de possession autre que celle des parents. Si on prend l'exemple des femmes dans la Bible, si on revient sur les lois sur l'héritage dans le livre des Nombres, les femmes n'ont pas le droit d'avoir de terre, en dehors de quelques exceptions, par exemple les filles de Zélophate, qui restent une exception dans la Bible. Et l'étranger n'a pas le droit d'avoir des terres. Moi, en Thaïlande, je ne peux pas acheter de terrain. Je peux acheter une maison, mais je n'ai pas le droit d'acheter de terrain à mon nom. Et pour cette raison, la veuve et l'orphelin sont régulièrement associés aux Lévites, qui eux non plus ne peuvent pas acheter de terre. Et c'est pour ça que les villes refuges étaient aussi des villes Lévites, ces villes où les meurtriers pouvaient se réfugier, mais aussi où les pauvres pouvaient se réfugier. Et c'est une façon qu'a Dieu d'associer ce qui est le plus bas, ce qu'on regarde un petit peu de haut, avec ce qui est le plus haut placé dans un sens, ce qui est sacré, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu dans son temple. Alors, ces veuves et ces orphelins, très souvent, quand ils sont mentionnés dans l'Ancien Testament, c'est qu'ils sont associés à une loi. Il y a beaucoup de lois sur le pauvre, la veuve et l'orphelin dans l'Ancien Testament, et ces lois, elles ont deux rôles, celui de les protéger et celui de leur rendre justice. Et si on revient par exemple au psaume 82, et je vous invite à relire ce psaume plus tard quand vous serez chez vous, le psaume 82 dans sa totalité, c'est une accusation contre les dirigeants d'Israël, les juges et les prêtres, que le psaume appelle les fils de Dieu, parce que Dieu les place dans une position d'autorité
où ils sont appelés à rendre la justice divine pour le peuple. Et seulement, ils échouent à cette mission, et pour cette raison, ils sont condamnés. Un des péchés les plus graves qui déplut à Dieu, c'est l'esclavage des Israélites qui rendaient d'autres Israélites esclaves. Parce que quand on était trop pauvre, eh bien, on pouvait devenir esclave de la personne à qui on devait de l'argent et attendre l'année du jubilé pour être libéré de cet esclavage. Seulement, à la fin, ce jubilé n'était plus du tout respecté et des personnes qui ne pouvaient pas rembourser leurs dettes restaient esclaves toute leur vie. Et un enfant orphelin avait beaucoup de chances de devenir esclave. Des Israélites rendant esclaves d'autres Israélites, ce péché d'injustice découle directement de l'idolâtrie d'Israël. Et on constate que l'idolâtrie et l'injustice, ce péché d'injustice, est une des principales raisons de l'exil d'Israël. Si je lis rapidement dans Jérémie chapitre 7, les versets 5 à 7, « Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. » Donc ici, il est dit clairement que si vous rendez justice à la veuve et l'orphelin, je vous laisserai dans ce lieu que je vous ai donné, mais on sait que ce n'est pas ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, c'est un des plus gros problèmes que l'on rencontre. Encore aujourd'hui, on a un bon exemple avec, par exemple, le problème du racisme. On a eu un événement qui s'est passé aux USA le mois dernier, qui s'est étendu tout autour de la Terre. Et on essaye de régler ce problème de racisme au travers de plein de différentes lois, etc. Mais c'est voué à l'échec parce que c'est ce qu'ils appellent la justice sociale. Elle est basée sur un standard moral humain et ce n'est pas un standard moral biblique. Et le problème, ce n'est pas le racisme, ce n'est pas la pauvreté ou la prostitution. Le problème, c'est le péché. Et on ne peut que répondre à ce problème au travers de l'Évangile. Et c'est pour ça que c'est une des plus grosses défaillances sociales, c'est la négligence des lois que Dieu nous a données dans sa parole qui font qu'on en est là aujourd'hui. Alors si on veut que notre justice soit biblique, il faut qu'elle inclue la veuve et l'orphelin. Et ça, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, bien sûr. On pourrait ajouter les minorités, les personnes malades, les personnes battues, etc. Mais c'est quand même une liste qui est nominative, ce qui nous place face à nos responsabilités par rapport à l'orphelin et aux veuves. Et c'est pour ça que l'association Unité Solidaire a pour but d'aider les personnes en difficulté, et plus particulièrement les enfants orphelins et mis à risque par le trafic humain. Alors, on avait encore un projet avant où on aidait des veuves qui s'étaient réfugiées de Birmanie, réfugiées du trafic humain avec leurs enfants en Thaïlande, dans un centre de refuge où l'association Unité Solidaire proposait un programme pour leur apprendre à parler le thaïlandais, parce qu'elles venaient de Birmanie. Et à la fin de ce programme, plusieurs heures d'apprentissage, en accord avec le centre de refuge, avec l'école de langue, avec l'association Unité Solidaire, on délivrait un certificat d'études qu'elles pouvaient utiliser dans leur recherche de travail pour montrer qu'elles avaient appris le thaïlandais. Et à l'heure d'aujourd'hui, on a encore une quantité de projets, comme par exemple un programme de parrainage qui prend en charge une trentaine d'enfants. On a un programme pour offrir des vacances aux orphelins. On a un projet de construction pour offrir des conditions de vie décentes aux personnes qui travaillent à l'orphelinat. On a un programme d'éducation à l'école chrétienne qui s'occupe des enfants mis à risque par le trafic humain. Et ça, c'est que les plus gros projets de l'association. Mais la question qui se pose, le ministère de l'association Unité Solidaire, c'est d'aider les organismes thaïlandais, locaux, à devenir de plus en plus solides et de plus en plus indépendants. Donc on est à leur côté pour faire ça. Et la question qui se pose, c'est, dans 10 ou 20 ans, quand on regardera en arrière,
Est-ce qu'on aura participé à créer des organismes qui dépendent de l'aide internationale, ou est-ce qu'on aura participé à créer des organismes de plus en plus solides qui se prennent de plus en plus en charge? Alors c'est pour ça qu'on travaille sur ce qu'on appelle le développement durable. C'est-à-dire que quand on met un projet en place, eh bien, une fois que ce projet est en place, il continue par lui-même sans avoir besoin d'une intervention extérieure de l'association. Et il continue à se développer. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est celui de l'école. À l'école de la Promesse, qui est l'école chrétienne où j'enseigne, vous vous rappelez peut-être que c'est une école qui offre une éducation de qualité supérieure à ce que l'on trouve localement, une éducation internationale, d'une qualité internationale, à des enfants pauvres. Mais comme ces enfants ne peuvent pas payer leur scolarité, bien sûr c'est le but, c'est de leur donner une chance supérieure pour réussir dans la vie, mais comme ils ne peuvent pas payer leur scolarité, eh bien, l'école fonctionne avec des dons. Et tous les enseignants missionnaires qui travaillent à l'école, moi y compris, nous redonnons tous les mois notre salaire intégralement pour soutenir l'école. Alors l'idée, c'est de toucher des familles qui seraient intéressées par l'enseignement de qualité qu'on offre, mais qui peuvent payer la scolarité de leur enfant. Et pour ça, tous les ans, on organise un semi-marathon. Et ce marathon a deux buts. Le premier, c'est bien sûr une rentrée d'argent directe, parce que chacun des 200 à 400 coureurs doivent payer leur place et leur numéro. Mais c'est aussi donc de toucher des familles dans la ville de Chiang Mai, qui est la deuxième plus grande ville de Thaïlande, afin qu'éventuellement ils placent leur enfant à l'école, parce que ce sont des sportifs, des soldats, des policiers qui courent, hein, les marathons en général. Et de dire, waouh, vous offrez cette éducation de qualité à ce prix-là. Et s'ils placent leur enfant au CP et qu'il reste jusqu'en troisième, ben c'est 10 années de scolarité et ce n'est pas du tout négligeable pour l'école. Alors ça, c'est le premier projet. Hein. Le partenaire principal de ce semi-marathon, aussi bien au niveau financier qu'au niveau de notre présence sur place, c'est l'association Unité Solidaire. Parce que moi, je suis sur place à aider à la gestion de ce marathon. Le deuxième projet est à l'orphelinat House of Blessing. Peut-être aussi que vous vous rappelez que nous avons un projet de construction qui a pour but donc l'hébergement des personnes qui travaillent à l'orphelinat, qui vivent à l'orphelinat. On avait encore, je donnais l'exemple à l'époque, une famille de 4 personnes, les parents avec leurs 2 filles, qui vivaient dans une seule chambre, une petite chambre, qui partageait la salle de bain commune des enfants de l'orphelinat. Et donc on avait le projet de construire une maison mitoyenne pour accueillir 2 familles, donc de personnes travaillant à l'orphelinat. Et c'est un projet qui nous est cher, hein, pas seulement au niveau sentimental. Donc c'est un projet qui a pris un petit peu de temps à mettre en place, plusieurs années. Et des fois le Seigneur ne répond pas à nos attentes tout de suite parce que nos plans ne sont pas les siens. Et ce projet... Il y avait quelque chose qu'on voulait faire aussi depuis très longtemps, auquel on pensait, et la crise du virus corona nous a aidé à développer ça, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on dépendait beaucoup du marché et des commerces extérieurs pour les achats de plats tout faits et de boissons. Et ce n'est pas négligeable, hein, dans un pays où il fait 40 degrés, on boit beaucoup. Et on s'est dit, est-ce que ce n'est pas le moment de construire une petite boutique ? Café, boulangerie. Et donc on a réfléchi et avec l'accord des donateurs, avec l'accord de l'orphelinat, avec l'accord de l'association Unité Solidaire, on a modifié le projet, ce projet qu'on avait déjà mis en place depuis plusieurs années, et on a changé. On ne va plus faire une maison mitoyenne, on va faire une maison pour accueillir une famille, avec 2 chambres indépendantes pour accueillir 2 travailleurs célibataires. Et avec le budget qui reste, on va faire une petite boutique café-boulangerie. J'ai une photo ici, je vais vous montrer. Et cette boutique, elle aura 3 buts. Elle aura 3 rôles. Voilà, on voit pas très bien, mais on a même fait les plans. Ici, on a le dessin. Les 3 rôles, premièrement, c'est de générer régulièrement un profit qui
qui sera petit, ça c'est sûr, mais qui sera régulier et qui sera généré par les personnes qui travaillent à l'orphelinat et par les enfants. Alors ça déjà c'est encourageant, c'est du développement durable. Et on vendra aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, hein, aux personnes qui passent devant l'orphelinat. Deuxièmement, centre d'apprentissage pour les enfants qui vont apprendre à faire des pâtisseries, du café, de la glace, des sandwichs, etc. Tout ce qu'on peut faire, on va le faire. Troisièmement, ça nous permet de garder une connexion avec les enfants plus âgés, les jeunes adultes qui sont sortis de l'orphelinat et qui essaient tant bien que mal de créer leur petite affaire. Par exemple, on a une jeune fille qui est sortie de l'orphelinat il y a environ 5 ans. Son papa travaille dans les collines, il plante du café. Mais il n'est pas du tout homme d'affaires. Donc, elle a dit qu'elle voulait l'aider à vendre son café à Chiang Mai. Bon, ben nous, on va acheter ce café. On en a une autre qui s'est mariée avec un homme qui a des ruches. Ben nous, on va acheter son miel. Il y en a une autre qui confectionne des petits porte-monnaies d'une façon tribale. Ben nous, on va vendre ses porte-monnaies. Et tout ça, ça leur fait un petit revenu supplémentaire. Nous, ça nous fait des produits locaux très particuliers et ça nous permet de rester en famille. Et ça, c'est vraiment un projet qui nous réjouit. Alors, quand on parle de développement durable, ça passe par l'enseignement. Hein, pour pouvoir vendre des pâtisseries, d'abord, il faut apprendre à faire de la boulangerie. Et je vais vous donner l'exemple de l'enseignement parce que moi, je suis enseignant. Quand on enseigne un mot à un enfant, ce mot va rester avec l'enfant tout au long de sa vie. Et c'est quelque chose qu'on ne pourra pas lui reprendre. Mais ça va devenir un outil indispensable à son succès. Et est-ce que dans le futur, il aura encore besoin de nous? Probablement pas, parce qu'il sera adulte. Mais est-ce que nous aurons besoin de lui? Ben, tout à fait, parce que c'est lui qui est capable de changer la Thaïlande de demain. Premièrement, c'est ces enfants qui montrent qu'en grandissant dans un environnement protégé du trafic, avec une bonne éducation, il montre qu'il est possible de réussir, et cela même avec un arrière-plan très lourd. L'éducation qu'ils reçoivent à l'orphelinat et à l'école, ils apprennent ce qui est bien et ce qui est mal. Et cette éducation va avoir une influence sociale dans le milieu dans lequel ils vont grandir. Ce sont des enfants qui grandissent à l'écoute de l'Évangile et qui vont devenir des témoins de la parole de Dieu tout au long de leur vie. Ce sont des enfants qui deviennent des piliers sociaux qui vont être capables de changer la Thaïlande de demain et de rendre les orphelinats obsolètes. Et ça aussi, c'est le développement durable. Alors, au niveau de l'enseignement, et c'est le dernier projet que je vais vous présenter aujourd'hui, on a encore un troisième projet qu'on aimerait mettre en place, mais qu'on ne peut pas mettre en place, pas par manque de moyens, mais par manque de temps. On aimerait ouvrir une salle de classe à l'orphelinat pour les élèves en difficulté scolaire, pour le rattrapage scolaire. Et comme vous le savez, moi je redonne mon salaire intégralement à l'école chrétienne. Donc pour pouvoir vivre en Thaïlande, je dois travailler encore avec une deuxième école, qui est une école privée, qui me permet d'avoir un revenu, qui me permet de subvenir partiellement à mes besoins. Seulement, en travaillant avec deux écoles, ça me fait beaucoup de travail et puis ça me fatigue, ce qui fait que j'ai plus le temps d'enseigner à l'orphelinat. Et des fois, les gens me disent, mais c'est dommage parce que tu es enseignant et tu n'enseignes même pas à l'orphelinat. Et je leur dis, ben oui, mais il faut bien que je mange aussi. Alors l'idée, c'est que l'association Unité Solidaire recherche des personnes prêtes à faire un petit don de 15, 20, 30 euros par mois qui permettrait de diminuer la quantité de travail à l'école privée. C'est-à-dire que plus on trouve de ces dons, plus on peut diminuer la quantité de travail à l'école privée. Et si on trouve suffisamment de ces dons, on pourra commencer à mettre en place cette salle de classe parce que le temps d'enseignement à l'orphelinat, on peut l'adapter en fonction du temps que je dois passer à l'extérieur. Mais pour ça, il faut que j'ai du temps à l'orphelinat. Alors c'est le sujet de prière que je voulais vous donner ce matin. C'était donc de prier pour qu'on puisse trouver ce soutien et ainsi qu'on puisse mettre en place cette salle de classe à l'orphelinat House of Blessing. Maintenant, comme tous les ans, avant de conclure, j'aurais aimé vous montrer une petite vidéo. Et c'est une vidéo qui dure, qui n'est pas longue du tout, qui dure 5 minutes. Et pour présenter cette vidéo, je vais juste dire que...
moi, j'arrive au bout de mes capacités audiovisuelles après toutes ces années. Au départ, je faisais des vidéos avec mon téléphone, je vous les montrais, j'avais pas honte de ça. Après, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose d'un petit peu mieux. Et puis là, je me suis dit, bon, il faut des professionnels. Alors, j'ai demandé à deux jeunes de l'orphelinat de faire la vidéo. Ils sont passionnés de communication. Il y en a un, il voudrait étudier la photographie. Et l'aspect positif par rapport à ça, c'est que, déjà, c'est leur vision de la vie à l'orphelinat que vous allez voir. Ce n'est pas la mienne. Et vous allez voir que ce n'est pas moi qui ai fait la vidéo à cause du choix de la musique. Et vous allez aussi voir que la vidéo a été faite en janvier 2020, au tout début de la crise du coronavirus. Et la Thaïlande a été bien plus prudente que la France, parce que dès qu'il y a eu 2-3 cas en Chine, tout le monde a mis des masques, tout de suite. Et vous allez voir dans la vidéo qu'au mois de janvier, les enfants portaient déjà des masques. Voilà, et plus important que ça, c'est aussi le moyen qu'on a utilisé, parce que la directrice de l'orphelinat souhaitait vraiment vous remercier pour votre soutien et vos prières, et donc on a utilisé ce média pour transmettre ses remerciements. Alors, si les enfants sont là, on va pouvoir regarder cette vidéo, et puis après la vidéo, eh bien je conclurai rapidement. Voilà, donc vous avez vu que certains des enfants qui ont parlé, ce sont tous des enfants qui sont parrainés en France et en Suisse. Ils ont vécu toute leur vie à l'orphelinat. Hein. Et donc je vais rapidement conclure avec trois points très brefs. Le premier, c'est que l'année dernière, je vous avais demandé de prier pour deux jeunes filles de 14 et 15 ans que la maman menaçait de déscolariser. Parce que ce sont des gens qui viennent de Birmanie, elle voulait les envoyer en Birmanie pour travailler à 14 et 15 ans. Donc il y avait un risque très important de rentrer dans le cercle du travail de l'enfant. Hein. Et donc vous avez prié, et quand je suis revenu en Thaïlande en mai 2019, eh bien, elles étaient scolarisées à l'école. Mais plus que ça encore, quelle ne fut pas ma surprise quand, le premier jour de classe, j'ai vu qu'elles étaient dans ma classe. Donc elles ont été mes élèves pendant un an. Et elles ont été deux de mes meilleurs élèves. Et maintenant, je vous demande de continuer à prier parce qu'on aimerait les scolariser dans une école aux USA. On a la possibilité de faire ça. Il faut bien sûr l'accord des parents. Mais ça permettrait de les tenir éloignées de ce danger familial dans lequel elles vivent. Et puis aussi, ce serait un cadeau merveilleux pour leur avenir. Voilà. Deuxièmement, les vacances des enfants. C'est un projet qu'on appelle Beach Project, qui, vous le savez peut-être, dépend des visites d'église pour son financement. Et cette année, à cause du virus Corona, presque toutes les visites ont été annulées, donc ça nous a causé un petit peu de soucis. Malgré cela, c'est un projet qui est important, donc on a décidé de le faire quand même. On a avancé l'argent et les enfants sont partis il y a 3 semaines. Ils sont déjà revenus de vacances. Ils sont partis avec le camion que vous avez vu dans la vidéo, hein, à 50 assis à l'arrière. Et voilà. Encore une fois, il y aura une vidéo qui va être faite par mes assistants sur place que vous recevrez probablement dans le courant de l'année parce qu'on fait une petite vidéo tous les ans pour remercier les personnes qui soutiennent ce projet. Et j'en dis pas plus, on reconnaît un arbre à ses fruits et si on comparait ce voyage à un arbre, on pourrait dire que ses fruits seraient comparables aux raisins et aux grenades de la vallée d'Eshkol. Je vous laisse retourner dans Nombre 13 pour la comparaison. Et troisièmement, on peut soutenir, donc on peut aider ces enfants au travers du travail de l'association Unité Solidaire de 3 façons. Premièrement, en faisant un petit don mensuel, j'en ai parlé tout à l'heure. Deuxièmement, en parrainant un enfant, n'hésitez pas à venir me voir après le culte si vous souhaitez parrainer un enfant. Et troisièmement, en faisant un don ponctuel pour un projet précis, un challenge qui nous attend, un défi qui nous attend. Maintenant, c'est l'achat de la machine à café, parce qu'une fois qu'on a construit un café, il faut qu'il y ait une machine pour faire du café. Donc ça va être d'ici quelques mois, quand la construction, Dieu voulant, sera terminée. Voilà, je vous remercie vraiment pour votre accueil. Sachez que quand je suis en Thaïlande avec les enfants, savoir que vous priez pour nous, c'est une motivation indispensable. Et vous voyez donc qu'on fait ce travail à l'association Unité Solidaire, pas parce qu'on pense que c'est quelque chose de bien, mais parce qu'on pense que c'est biblique et que c'est ce que Dieu attend de nous. Je vous remercie.